Voilà, de retour dans notre base. Tac, tac, tac. Donc j'ai joué hier en fait en stream, mais malheureusement mon PC a crash deux fois. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il marche pas? Mon PC a crash deux fois, du coup, j'ai pas pu enregistrer, j'ai pas pu conserver les enregistrements. J'avançais un peu dans tout ce qui est sous-marin. Base sous-marine, le Nautilon et tout ça. Malheureusement, il n'y aura pas de vidéo là-dessus. Il y a les replays sur Twitch. Mais bon, ça s'arrête assez brusquement parce que j'ai crash deux fois. Bon, j'espère que là, ça va aller mieux. On verra. On verra, on verra. Par contre, il m'a dit d'aller voir l'ordinateur de base, non? Mais il n'y a rien, là. Interagissez avec l'ordinateur de base pour consulter les archives. Ah. Quoi? Ah, mais c'est sur l'autre là-bas, putain, merde. J'y étais en plus. Ah, c'est sur l'autre. C'est vrai que maintenant j'ai deux ordis. J'en ai deux. Oui, j'ai fait une deuxième base sur cette planète. D'ailleurs, j'ai trouvé un ordi de base qui n'était pas activé. En fouillant un peu sur la planète, j'ai trouvé un ordinateur qui n'était pas activé. Ce qui est assez étrange. Je sais pas ce qu'il foutait là, je sais pas qui l'a mis là. Il y avait un ordi qui était pas activé. Quelqu'un est venu, a posé un ordi et est parti. Bizarre. En fait, c'est ici qu'il faut aller. Parce que j'ai fait une base ici parce qu'il y a cet endroit. Comptoir commercial là. Il y a ce truc là ici. Je sais pas, je me dis que ça peut être utile de l'avoir sous la main. Ouais, 82%. On va tout fouiller tranquille, on a le temps. Ouais, vas-y, mon pote, partir, c'est bon. Module de scanner. Construisez jeu box pour vagabond, c'est fait. Non, 29. Ok, module de scanner. J'ai plein de. Il me donne plein de modules, mais c'est que du C. Donc c'est pas forcément utile. Parce que là, regarde, module de scanner. J'ai du. C'est pour le. Ouais, c'est du B, viseur d'analyse, ça c'est quoi? Rayon balayage, ou améliore les données. Ah bah, c'est bon, je m'en fous. Allez, hop. M'intéresse pas. S'il me donnait du rang A ou S, oui, mais là c'est du rang C. Pas trop d'intérêt. Pas trop d'intérêt. Attends, c'est quoi ça? Est-ce que c'est de l'oxygène ou... Ouais, c'est de l'oxygène. Ok, bon. Bah, écoutez. On va voir ce qu'on a à faire comme mission. Bon, ça c'est fait. Recherche d'armement. L'attaque viking. L'anomalie continue. Alors. Partager le fardeau du destin d'Artémis avec Nada dans l'espace appelé l'anomalie. On va faire ça. Allez, go. Donc là, on est sur le premier système solaire qu'on a eu dans le jeu. C'est là où j'ai mis ma première base. Non, tac. Allez, allons dans l'anomalie. Bon, c'est pas grave. J'ai tout raté. C'est pas grave. Go. Il y a du monde. Il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps des joueurs ici. Il y a tout le temps du monde, c'est cool. Allez, go. Bon, j'aime bien appeler mon. Ah oui, j'avais reçu un diagramme planétaire. Pourquoi il me parle de diagramme planétaire? Je dois pas faire un truc ici plutôt? Dans l'espace appelé anomalie. Ben c'est bon. Pour connaître les coordonnées des trous noirs et des stations Atlas.
J'ai pas fait ça dans cette partie. Dans mes anciennes parties, je faisais que ça quasiment. Chercher les trous noirs et les stations Atlas. Là, je suis parti sur complètement autre chose. Bon, on va essayer de se recentrer sur ça. Ça nous fera avancer un peu. On va parler à qui? Apollo ou Anada? Mais c'est pas lui. Quitter. Oh, aucun des deux. Très bien. Oui. Dans l'espace appelé l'anomalie depuis le menu X. Je dois enquêter sur vide. Oui, mais ils veulent pas me parler, eux. Les voyageurs. Ah, faut parler aux deux. J'ai pas compris là. C'est eux les voyageurs là, c'est eux. Partir, ok. Mais pas toi. Oh là. Nous retrouvons Charanos. Ah. D'accord, bon. Apparemment, j'ai rien à faire ici. Je sais pas comment on fait les gestes. Je sais pas comment on fait. Le voyageur peut vous proposer des marchandises à modifier la mission. Je crois que c'est bugué, non? Helios, ah, c'est plus lui. Ah, mais c'est insupportable ça. Pourtant, je le vise. Hein. Je vise bien Helios, mais il parle à mon chien. On met des données Flore. Donner nanite. Je vais pas parler. Ok. Lui il veut pas parler. Alors je dois interroger qui? Helios et Ares. Toi t'es qui? Toi t'es Helios. Donc c'était pas les deux de tout à l'heure en fait. Toi t'es qui? Ares. C'était des améliorations. Ouais, mais il vend que des trucs éclatés, lui. Ah, module laser pour Minotaur. Ah, ça, par contre, j'en ai besoin. Pour mon Minotaur, j'ai rien pour... Ah, mais c'est, ah, c'est Nautilon, j'ai confondu. C'est pas Minotaur que je voulais. Oh, c'est pas grave. C'est pas... J'ai pas le Minotaur, en fait. Je l'ai même pas. Protection thermique. C'est pourquoi ça? Exocombinaison. Bon, ben tu sais quoi, c'est bien, bravo. Je suis venu là pour rien. Bon, j'ai pas compris ce que je dois faire là, c'est pas grave. J'ai d'autres choses importantes à faire avant de. Oh, tiens, j'ai acheté tout ça. Oh là là. Juste canon pour Nautilon. Anomalie spatiale, c'est peut-être un peu bugué ici. C'est où mon vaisseau? C'est peut-être un peu bugué, je sais pas. C'est peut-être bugué, je sais pas du tout. On va faire le... Insupportable. Hein. Tu vises un truc, t'es plus heureux, ça parle à ton animal. Bon, on va la jouer différemment. Je vais scanner le... parce qu'il me spamme avec ça. Alors, les ruines. C'est où?
Ouais, j'ai mon phosphore dans ce système aussi. C'est quoi? Mon vaisseau amiral, ok. Ah, planète inconnue ici. Oh, incroyable. Cristal gelé, cuivre, dioxyde. Ok, j'ai une planète inconnue ici. Par contre, il est où mon... Il y a trop d'éléments là. Il y a trop de bases ici. Il est où le scan que je viens de faire? Ah, c'est par là? Ah là? Là. Bon, normalement ici, je me suis jamais fait attaquer dans ce système là. Après, tout peut arriver, hein, mais il y a pas de piraterie par là. Copyright gameplay free music vient de liker mon stream, super. Putain, les bots, ils sont insupportables. J'espère que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Ça se peut. Ouf. Alors, non, c'est pas vu. Parfait. Alors, tac, on met ça et on y va. Maintenant, ça, je les connais par cœur. À force de les faire, on les connaît. Alors, la suite, c'est par là. Juste aller là, hop. Il y en a ici. Donc il est par là. Il y a le coffre qui est juste là. Le coffre est là. Et la dernière clé, elle est par là. Ici. Après, je crois qu'il y a au moins 6 clés, il me semble. Pas besoin d'en prendre 6. Autant prendre 3, ça suffit largement. Toujours au même endroit. Tac, tac. Tac. Hier, j'ai revendu une pièce à 1 800 000. B découpe Citrinus. Ça, c'est de la merde un peu, non? 177 000, ouais. Ouais, on a eu mieux, quoi. Attends, ça, par contre, ça m'intéresse. Non, pas ça. Changer d'arme, bien sûr. Je commence à avoir beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes, beaucoup d'équipements. Je commence à faire un peu beaucoup. C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'orbe. Ouais. Ah. Ça, je prends. Ok. Ok. On va recharger nos multi-outils. Ça j'ai pas. J'en ai dans mes coffres. Même pas sur moi. Je vais faire de la place. Et on va lancer un truc. Que j'ai pas vu encore, que j'ai jamais vu encore. Attends, si je fais ça, ça va me donner quoi? Mission en cours. C'est pas trop clair, ça c'est cœur galactique, exploration libre. Ah, je peux pas aller au trou noir ou station Atlas. Hein. Je peux pas. Je sais pas pourquoi là, je peux pas encore y aller. Après 50 heures de jeu, je peux toujours pas y aller. Je sais pas pourquoi. Alors on va appeler notre cargo. Allez, go. Un truc, je vais faire de la place. Je vais vendre. Et je vais voir où ils en sont aussi, les expéditions d'hier. J'ai envoyé 2 expés. Il y en a une, je crois qu'elle est à plus de 20 heures, donc elle n'a pas dû arriver. Elle n'a pas dû terminer. Mais il y en a une, il me semble, elle était courte. Une expé de bagarre. Il n'y a pas de casse pour l'instant. Donc ça... Je vais en faire quoi de ça?
Minotaur. Ah, pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ah, j'ai plein de trucs X là. J'ai plein. Canon Minotaur. Je vais mettre avec ça, hein, tant pis. Je sais pas quoi en faire. Je vais les garder. Je vais les stocker, on verra bien. On verra. Si un jour on en a besoin. Je sais où ils sont, je n'ai plus qu'à les chercher. L'attaque viking, je la garde bien sûr. Là, je peux crafter ça, une distorsion. Voilà. Tac, ça c'est bon. Ça, je vais le vendre du coup. Propulseur à rafale. Ok, j'ai de l'antimatière. Ça c'est. Attends, c'est pourquoi ça? C'est pour Exonef. Ah, c'est pour Exonef. Ok, bon. On verra. Je vais vendre ce que j'ai trouvé là. Ça. Ah, plus 1,2%, c'est pas mal. Alors, c'est lequel qui a fini? Je sais pas en fait. C'est qui a fini? Demandez un rapport. Ah, bah lui, il a fini. Lui, ah non, c'était. Ah, c'était une étoile. Ça, c'était pas lui, le dur. Enveloppe Corvas, Crypto Vortex. Je vais tout vendre. Hein. Ah, quand même, 1 million. Une étoile, 1 million. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je vais vendre ça. 6 hein. Enveloppes Corvax, ça dégage les cubes. Hop. Ok. Je vais refaire du carburant, du coup. On va relancer. Lui, je crois qu'il a pas fini. Je crois qu'ils ont pas terminé. Demander un rapport. Ah non, ils ont fini. Ah, mais tout le monde a fini. Cool. Tout le monde a fini, il n'y a pas eu de casse. Pas mal. 1 600 000. Ouais, c'est bien. Ça, je vais pas le vendre, je vais le garder. Je vais le stocker. Je vais le stocker là. Tac. Voilà. Ah ben, c'est bien. Tout le monde a fini, pas de casse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non. Ah, pas toi. Par contre, je trouve pas d'amélioration pour le cargo. J'en ai que 3. Il m'en faut 4 au moins. Ça, j'en trouve pas. Exploitation commerciale, alors c'est du 3 étoiles. 28 heures. 28 heures, c'est long. Il risque d'y avoir de la casse. Il me faut. Non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire les faciles. Je vais faire que les faciles. 15 heures. J'ai pas vu, c'était quoi? Industriel. Parfait, j'ai un industriel qui est très bien classé. Je lui mets 2 combattants. Moi, j'en mets 2. Je lui mets 2 l'industrie. Et un explorant. J'ai quoi derrière? Exploration, exploration. Je vais lui mettre lui. Je lui mets lui. Allez, je lui mets lui. Go. Ça, ça part. Et je prends celui-là. Je vais prendre que les faciles. Je lui mets des combattants. J'ai pas vu ce que c'était. Tiens, je regarde pas. Ok, équilibré. C'est d'exploration. C'est la planète à support. Bon, bah, écoute, d'accord, on va mettre ça. Je mets les 2 supports et je mets celui qui a un peu plus de bagarre. Voilà. Nickel. Ça, c'est la deuxième expédition. Enfin, non, pas deuxième, quatrième parce que j'en vois par deux maintenant. C'est la quatrième XP où j'ai pas de casse. Et ça, c'est cool. De pas avoir de casse. Alors ça, je sais pas ce que je dois faire. Polo connaît les coordonnées des trous noirs, mais Polo veut pas me parler. Il connaît les coordonnées, mais il veut pas me les donner, donc c'est compliqué. Alors, j'ai dû rater un truc avec Polo. Je sais pas quoi, mais j'ai dû le rater. Donc on va faire ça, nous. On va s'occuper de détecteur d'anomalie. Ah, attends. Attends, parce que là, si je peux recruter des frégates. Ces derniers temps, j'ai une bonne surprise. Une très bonne surprise avec une très très bonne frégate. J'espère en avoir une autre. C'était du rang B, mais elle était... Elle était... On la voit plus. Ça a bégayé.
C'était du rambé, mais c'était solide. Ah, ça c'est complètement nul. Ok, mauvaise surprise. Allez, go. Je trouve l'autre là. Wow! Le machin il est apparu sur moi. Oh, il m'a apparu dessus. Voilà. Ouais, bonne surprise ou pas? Non, nul. Ok. Bon, dommage. Je suis rentré dedans. Alors, ça. Usage unique qui sont de la zone environnante à la recherche d'anomalies proches. Vas-y. Activez le plus au réacteur. C'est parti. J'ai jamais utilisé ça. Première fois, hop. Oh. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais ça sert à quoi? C'est vu que tu as regardé dans ta carte galactique, les trous noirs sont en état avec une étoile. Attends, parce que là, j'aimerais bien comprendre ce que c'est ce truc-là. Ce machin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas ce que c'est ça. Station numérale anormale. Faut le casser? J'arrive pas à le casser. Je lui fais pas de dégâts. Je lui fais zéro dégâts. Comment je le casse ça? C'est un endroit où faut viser, que je vise pas le bon endroit. Il a pas de barre de vie. Il a pas de barre de santé. Bien, j'ai pas ce qu'il faut pour. J'ai pas installé ce qu'il faut peut-être, je sais pas. Ouais, oh, putain, n'avance pas. La machine avance tout seul. Scanner de conflit. J'ai même pas installé ça. Éjecteur. Attends, on va prendre des armes. Tir des sabres rapides et continu. Grosse boule concentrée de particules chargées. J'ai peut-être une arme que j'ai pas mis qu'il faut que je mette. Je sais pas. Mais je sais pas laquelle. C'est là? Ouais, c'est ça. Éjecteur à positron. Ah, mais c'est bon, toi, avec ta menace. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette arme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au secours! C'est quoi cette arme en bois là? Mais.
Est-ce que je lui fais des dégâts là? Non, mais non. Il y aurait une barre de santé, ou quelque chose. J'entends que ça pète, mais je vois rien. Mais faut péter le petit truc à côté là. Non. Bon, eh ben tant pis. Hein. Il n'y a pas d'idée là sur comment détruire ça? Ce système d'horloge? Cette pendule? Mais attends, elle s'approche de moi ou? C'est bizarre, hein? Mais si je crée tous les trucs, ça va. Bon, on va faire le truc de couteau, ça m'a toujours intrigué, ça. Je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Wow! Ah ouais! Ah ouais! C'est trop bien, ça! Ah! Je savais pas que j'avais ça. C'est trop bien, ça! Bon, je fais zéro dégâts, ce machin, je sais pas ce que c'est. Wow, c'est trop bien, cette arme! Incroyable! Ouais, putain, elle est bien cette arme. Bon, ok, c'est bon. J'abandonne. Je sais pas ce que c'est. On est avec une étoile. Une étoile. Ah. Une étoile. Une étoile. Ouais. Une étoile. Ils ont changé les couleurs. Hein. Ouais, c'était pas comme ça avant. C'était pas aussi aussi chatoyant au niveau couleur, non? Ou c'est moi? Non, c'était pas comme ça avant. C'était moins. Là, on voit clairement mieux les couleurs. Là. Oui, oui. La dernière mise à jour, ça. Ils ont corrigé la colorimétrie. Il n'y a pas d'homme dans le ciel. La terre est plate. Et le crash est proche. Le crash est proche. Hier, j'ai streamé le jeu, j'ai eu deux crashs. Je sais pas pourquoi. Mon ordi qui redémarre tout seul. Qu'avec ce jeu. C'est compliqué, hein. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le truc crash test. Par contre, où c'est les trous noirs, là? Non, non, en fait, les trous noirs, il faut avoir le truc, là. Bon. Je sais pas, il m'a dit des étoiles. Il m'a dit quoi, une étoile, je crois, c'est ça? Pas gentil de cracher, pas très propre. Surtout en cette période de virus, tout ça. C'est pas très gentil de cracher. Bon, bah, Monsieur Étoile n'est plus là. Monsieur Étoile est parti, dommage. Il était de bons conseils, mais ce fut rapide. Je sais pas où aller et je sais pas quoi faire avec ce système Rolex là, avec la Rolex. Polo, il veut pas me parler. Polo, il me dit partir. Attends, on va y retourner. Et Polo, quand je lui parle, il me dit partir. Ça va, et toi, Electro? Bien quoi. Polo, je vais le voir. Il me dit partir. Je vais pas en parler. J'ai dû rater un truc que j'ai pas fait. Attends. Parce que là, il va pas venir. Là. Il est où? Il est où, Polo? C'est quoi ça? Ça bon, je sais pas ce que c'est. C'est dommage. J'ai utilisé un truc, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas. Ah bah attends. On va essayer le couteau. J'ai l'impression que... il est où? Je vois plus. Ok. Ça, c'est la meilleure arme. Ok, d'accord.
C'est le truc de couteau, c'est impressionnant, mais c'est nul. C'est impressionnant, mais ça sert à rien. Okay, rien ne vaut une bonne petite lance-grenade. Ah, le machin de couteau là, aucun intérêt. Bon, on va revoir Polo. FUCK Polo, c'est pas très gentil ça. Polo, mon poteau. Il va me donner des infos. IP. J'appelle mon meilleur animal, c'est lui. Normalement comme il est beau lui. Incroyable. Attends, je peux. Il est où mon. Il est là. Est-ce que je peux le renommer lui parce que. Viens là. Personnaliser l'apparence. Impossible de monter ici. Ah, on peut pas le renommer? Oh, c'est dommage. Lui, il mange des batteries. Il mange des batteries. Polo, mon poteau. Une cyber-autruche, ouais. Ah oui, parce que moi, j'ai tué Artemis. C'est peut-être pour ça qu'il veut plus me parler. Donc en fait, Polo, il me parle plus, là. J'ai tué Artemis, moi, déjà. Et lui aussi, il me parle plus. Il me parle pas. En fait, si, il me dit juste partir. Il me dit partir. C'est peut-être pour ça qu'il me parle plus. Par contre, ça, le truc à couteau et tout, ah, c'est pour ça que je viens. Ça, hein. Prendre la place pour rien, ça. Franchement, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Polo, je crois que c'est ce que je vais faire. Il n'y a plus que ça à faire maintenant. Maurice, il s'appelle? Il s'appelle comment? Ah, Mercure. J'ai cru que c'était Maurice. C'est qui lui? J'ai jamais parlé à lui. Ah ouais, ah oui, d'accord. Si tu veux me parler, donne-moi des sous. Je vais le renifler. Bon, d'accord, je l'avoue, je suis pas un geek. Je suis comme notre voyageur du passage. Si tu veux me parler, donne-moi des sous. Après, on se parle. Tu sais ce que c'est d'être traqué, mais bien sûr. Ok. C'était intéressant. C'était très, très, très intéressant. Merci. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux me parler. Ok, on va le faire. Bon, je commence en solo, c'est bon. Une ancienne détresse. Mais pourquoi tu. Attends, je dois faire quoi? Le renard à votre vaisseau, ok. A chaque fois que j'appuie sur eux, je parle à mon autruche. Ma cyber-autruche. Si tu veux me parler, donne des sous. Comme les gros streamers qui regardent uniquement les dons ou les bits. Ah, et là, regarde que les bits. C'est pas des JDP un peu, non?
Balise de sauvetage. Putain, mais c'est où que je dois aller? L'ancienne détresse. Il y a trop de marqueurs là. C'est quoi tout ça? Balise de sauvetage, ça c'est quoi? Balise de sauvetage. Mais attends, il y en a combien de balises de... Je dois aller ici? Un peu quand même. Ah bon? Attends. C'est quoi ce bordel chou là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai rien compris. J'ai pas compris où je suis, j'ai pas compris ce que je dois faire là. Mais je comprends pas ce que je dois faire. Il a mis un métroïde chez lui. Sort de nutriments. Je suis censé faire quoi? C'est pas là que je devais aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? All Traveler Welcome. C'est pas ça que je devais faire, non? Je crois pas. Trop de jours de paye. Ah ben, des fois, ça paye trop, des fois. Hein. Porte de communication. Je sais pas ce que je dois faire. C'est quoi toutes ces icônes? Mais il y a trop d'infos là. Bon. On est par là-bas. Je sais pas du tout. Ah là! Il y a une fusée. Peut-être là qu'il faut aller. Ah, faut peut-être aller là en fait. Forme de vie coincée. Ah oui, c'est là. Je vais me lever. Bah bon levage. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut pour te porter, c'est bon? T'as les machines, les outils, t'as tout. N'oublie pas de te recharger aussi. Hein. C'est important ça. Ce serait dommage de plus avoir de batterie. Salut Frigolus. Comment ça va Frigolus? Manque prise éclair. Ah ouais, c'est chaud. Forme de vie coincée. Attends, je vais pas au bon endroit. C'est pas que je dois aller. Ça va Frigolus, nickel. Là je vais sauver une forme de vie coincée. Je vais faire ma bonne action du jour. C'est quoi ça? Ok, c'est juste des champignons. Je vais faire ma bonne action du jour. Je vais sauver une forme de vie. Qui est coincée. Il est où? Il est où? Analyse la cible. Ah! Faut laisser en mode cible.
Vous laissez comme ça? Je sais pas du tout. Première fois que j'ai fait ça, donc Ah. Oh, il a une maison avec un toit. Ah, regarde-moi ça. C'est pas mal ce qu'il a fait là. Il est là. Il est là. Ah, mais il est coincé. Ah, je pensais qu'il serait coincé sous un caillou. En fait, c'est juste qu'il peut pas. Il peut pas redécoller. Système de navigation fondu de son vaisseau. Récupérer un composant en état de fonctionnement. En tant que mécano de l'espace. Ah, mais attends. Quoi? Je suis censé l'aider comment? Chercher un système de navigation en état de fonctionnement dans les modules de technologie enterrés. Ah, ok. Ah, attends, ça. Ça, je prends. Allez, encore un. Tu veux pas? Si. Mais pourquoi il me... Oui, je sais que c'est là. C'est peut-être ça, je sais pas. C'est peut-être ça. Ah! Je peux pas creuser, ok, bah c'est pas ça alors. Tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre, hein, cet endroit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'avais une analyse de cible. Une analyse de cible. Mais je peux pas creuser, je fais comment pour y aller? Bah attends. Sauf s'il y a un passage que j'ai pas vu. Bah non, il n'y a pas de passage. Je fais comment pour y aller si je peux pas creuser? Ah, par là. Ah, ok. Système de navigation crypté. Objet rare. Soit je lui répare, soit je le revends. Bien, je lui vends. Ça serait mieux encore. Analyser le système crypté avec E pour analyser... Ok. Ouais, mais là, vu que... Là, je pouvais pas, en fait. Je sais pas pourquoi. En fait, d'en haut, je pouvais pas. Là, tu vois, là je peux pas. Modification non autorisée. Mais en passant par en bas, je pouvais. Par contre, pourquoi j'ai fait ça en fait? J'aurais dû lui donner, je crois, non? J'aurais peut-être dû lui donner, je sais pas. Et pas besoin de tout ça pour ça, non? Je vais peut-être lui donner, hein. Peut-être mieux. Ça, je récupère. Il y a plein de bestiaux là que je connais pas. Ouais, ça doit être ça. Je devais être trop près de son vaisseau. Je devais être trop près de son vaisseau, mais en passant par en bas, ça a passé, c'est étrange. Pas très grave.
Attends, ça c'est quoi? C'est mon vaisseau à moi ça? Oui, c'est à moi, c'est pas là que je dois aller. Ah, je dois, c'est bon, il est là. Bon, il est où? Analyser, il me dit d'analyser lui. Un terminal de décryptage. Je dois juste lui donner, non? Ah non, ça m'a. Attends, un terminal de décryptage. J'ai déjà analysé une fois, je vais pas le faire deux fois. Terminal de décryptage. Donc là. Il y a trop d'infos là, il y a beaucoup trop d'infos. Terminal de décryptage. Va me dire partir, ouais, c'est ça. Ça c'est le mot de ce jeu, c'est partir. Terminal de décryptage. Alors là. Ce que c'est, je vois pas à quoi ça correspond. Et un autre module enfoui, ça, est-ce que ça peut être ça? Ça peut, lui il est toujours marqué ou pas? Je sais même pas, je vais laisser le vaisseau là, on sait jamais. C'est peut-être ça. Et ça, c'est quoi en violet là-bas? Non, lui, il s'est démarqué. Il n'est plus marqué. Dans la maison. C'est vrai que je suis même pas allé. Moi, je vais essayer. Localiser d'abord la pièce dans l'inventaire. Attends. Il faut peut-être que je refasse l'analyse puisque là je. Oh, putain, la maison elle est dans un état secondaire là. Oh, putain. Il faut peut-être que je réanalyse le truc. On va le refaire. Terminal de décryptage localisé. Ah. Ah, attends. Ah, faut aller là-bas. Ok. Ok. Je vais pas à pied. 900 mètres, c'est beaucoup. Ah là là, j'ai pas suivi le truc là. Et bon, c'est ici. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est le terminal posé au sol, ok. Oh! Ah ouais, d'accord. D'accord, j'étais pas prêt là. À cet accueil, attends. C'est quoi que j'ai eu comme arme tout à l'heure? Lance-foudre? Non. Ah, c'est pas mal, le rayon de disperse. Attends, ils sont 1 milliard là, ok. Ils vont pas panier fini, je crois. Ah merde, faut que je détruise Sentinelle. Oh putain, ils sont 1 milliard. C'est bon? Un système de décrypter un système jumelage. On
tout ça. Allez, boum. Incroyable. L'attaque des sentinelles sauvages. Du coup, je dois faire quoi là? J'ai pas suivi. Livraison commerciale ouverte en ligne, bâtiment à proximité. Ah, je dois retourner là-bas. Ok. On va scanner un peu. Ça c'est bon. Bah, c'est bon, attention, y a rien à faire. C'est quoi ce bâtiment que j'ai scanné, que j'ai marqué? Ah ok. Bon, c'est bon, je laisse ça, c'est pas grave. Faire la quête. Du coup, il m'a donné ça. Ok. C'est bon, j'étais sauvé. J'étais sauvé de ta misère. Allez, tu peux partir. Il décolle vite. Oh, décollage fusée. Mission accomplie. J'ai pris ça. Ok. Du coup, livrer le composant, voilà, c'est bon, c'est fait. Je veux mon cadeau maintenant. Retourne au Nexus. Ah, là. Faut absolument des frégates surpuissantes là. Il faut au moins, enfin, il faut des spécialistes dans leur domaine. J'ai quelques spécialistes mais j'en ai pas assez. Peu importe le domaine. Ah, 25 en exploration lui. C'est pas mal. Hein. Mais non, je prends pas. J'aimerais bien un qui soit complet. Je suis vraiment à fond dans son domaine. Et lui... Oh. Ok, allez, à plus. C'est bon. Ok. Le mec, il avait 3. Son vaisseau, il avait 3. Il y avait 3 de stade partout. Alors ça, c'est sûr que ça, je l'envoie en... Je l'envoie en exploration, il explose direct lui. Oh là là. Allez, on valide ça. On va pas faire le coup sauté. Allez, Nexus, donne ma récompense. Finir la mission. Tout ça pour 400 tonnes de carburant. C'est bien. En fait, ça me donne les... Je crois que c'était les bases des autres joueurs. Hein. Ouais, ça va être ça. Je suis en train de réfléchir au point violet là, ça devait être les bases des autres joueurs.